Robert, donc là on a un petit souci, c'est une cheville qui a décroché. Alors, et qui a fait un trou dans la cheville. Il n'y est pas pour grand chose, hein, parce que la cheville c'était bien ce qu'il fallait pour aller dans la plaque de plâtre. C'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas remettre une cheville, on ne peut pas garnir avec n'importe quoi parce que de toute façon c'est creux derrière. Donc on va inventer une technique un petit peu spéciale, on va aller placer ça, ce petit bout de bois derrière la plaque de plâtre. Déjà, tu vois, je vais tracer une petite fenêtre, on va dire, un peu plus grande que mon bout de bois. Et ça, on va le découper. On va vraiment couper la plaque de plâtre. Alors, je vais découper avec une spatule, mais rigide, qui s'appelle un riflard de maçon. On pourrait le faire aussi avec une petite lame de scie, mais là, je ne l'ai pas trouvé dans ce qu'on avait. On enlève tout ce qui sert à rien, là. Et alors, le principe est très simple, mettre ce bout de bois, mais dans ce sens-là, pour qu'il ait un appui de chaque côté, et qu'on puisse revisser quelque chose dedans. Et tout ça, il va falloir le boucher. D'accord. Alors, pour le boucher, la technique la plus simple, je ne peux pas remplir avec du plâtre, moi, parce que j'ai rempli tout le mur, on va mettre du papier journal, des tampons de papier journal, pour boucher la périphérie, pour que ça fasse une espèce de petite cloison. Je mets un papier mouillé, pour qu'il ne glisse pas trop, en dessous en particulier, pour bloquer, parce que comme on va remplir de plâtre, faut que ça me serve de presque comme un coffrage en papier, on va dire. Donc pour faire le plâtre, on met un peu d'eau et on saupoudre de plâtre et on laisse en fin de compte le plâtre gonfler tout seul, tout naturellement, légèrement le malaxé, mais à peine. Donc déjà, je mets un peu sur mon papier mouillé qui sert de coffrage. Donc le taquet, je l'enfile. Je le retourne dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Et là, on va garnir, bourrer au plâtre. Pourquoi du plâtre et pas de l'enduit? Ben, c'est très simple. C'est que le plâtre, lui, va durcir en quelques minutes. Et il va durcir. Il ne faut pas oublier que le plâtre, au départ, c'est de la pierre. Qu'on a fait chauffer, qu'on l'a transformé en poudre. Et quand on lui remet de l'eau, ça redevient de la pierre. Donc le plâtre, c'est pour ça que c'est si dur, qu'on peut l'utiliser y compris à l'extérieur, parce qu'il y a des plâtres d'extérieur. Là, je fais vraiment le rebouchage pur et dur. Quand c'est sec, on enlève la vis, petit coup d'enduit, peinture, mais donc ça tient. Ok, ben super, merci beaucoup. Robert, ben, voilà. À bricole. Bon travail. Weldom, ensemble c'est mieux.